Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire la revue de ma toile au ras-le-bol. Voilà. J'espère que vous la voyez bien, vous la voyez même pas en entière puisqu'elle fait 59 par 90 et c'est l'image. C'est vraiment la taille de l'image. Donc c'est Lady Mushroom de l'artiste Naruo Kami. Et donc j'ai fait une petite modification. Donc pour ceux qui connaissent l'image de base, d'ailleurs je vais vous chercher l'image de base. Voilà, donc c'est une version 1, donc c'est celle-ci. Donc elle était un peu froissée, donc ça a un petit peu abîmé l'image, l'autocollant. Mais je la mettrai dans mon cahier de suivi, ça suffira bien. Donc en fait, j'ai fait une substitution au niveau de ses lèvres. C'était du diamant noir 310 et donc moi j'ai modifié en mettant du AB rouge. Voilà. Donc au début je pensais que ça allait être trop flagrant, mais en fait ça rend super bien. Alors au début je vous cache pas que je voulais mettre du AB noir puisque c'était du 310. Mais vu que le AB noir, comme vous le savez, si vous l'avez déjà vu, eh ben, il a des reflets bleu-vert. Et donc, en fait, on voyait que ça. Je l'avais fait entièrement en diamant AB 310. Et en fait, ça rendait pas du tout bien. Et donc, j'ai tout retiré et je me suis dit, ben, j'ai regardé dans mes petits stocks de diamants AB et je me suis dit, j'ai assez de AB rouge et pourquoi pas faire donc du AB rouge en substitution pour la bouche et ça rend super bien. Enfin moi perso moi j'adore. Je suis pas très douée, hein, j'ai pas assez d'expérience pour faire des substitutions comme certaines peuvent le faire très facilement. Moi il me faut quand même que je me creuse un peu la tête pour savoir qu'est-ce que je peux rajouter comme AB, puisque sachez qu'il y avait deux AB déjà présents dans cette toile. Et c'était deux jaunes. Et là, je peux vous montrer. Il y en a. Voilà. Donc, il y a un jaune jaune. Et après, c'est un jaune un peu plus pâle. Alors là, vous avez les deux sortes de jaunes. C'est très concentré dans cette partie. Autrement, c'est le jaune un peu pâle. En fait, il est mélangé au fond. En fait, tout le fond a du AB. Il y en a un petit peu dans ces petits volants de. Tunique ici aussi et donc pardon ici aussi là vous le voyez un peu en reflet voilà et donc voilà et voilà ce que ça donne. C'est vraiment top, c'est vraiment top. J'ai adoré le faire. J'ai mis un mois et une semaine pour le faire. C'était dans le cadre de mon défi dans le groupe Facebook Nos Passions Sans Pression que je vous mettrai en barre de description si vous voulez venir nous rejoindre. Là, de mois de novembre-décembre, il y aura un nouveau défi, c'est couleur dominante. Donc, par exemple, celui-ci, il aurait très bien fonctionner pour faire ce défi puisque la couleur dominante est le orange. Voilà. Donc, mais je vais utiliser, je vais faire ma toile Oraloa Fille du Soleil pour faire ce défi. Donc voilà. Donc on parle pas de Fille du Soleil, on parle de Lady Mushroom. Donc il y a 55 couleurs de AB, diamant rond. Alors celle-ci je l'avais eue, donc c'était les dernières toiles version 1. Ils faisaient des promos sur les dernières toiles version 1. Donc il y avait des grosses promos et j'avais utilisé un code de moins 20% et celui de Pauline et du coup j'ai pu bénéficier de cette promo en plus, de ce code promo en plus et où c'était 15%, je pense que c'était 15% et ben du coup j'ai pu l'avoir pour 19,90€, un truc comme ça. Donc j'ai sauté sur l'occasion puisque elle me faisait de l'œil, je sais pas, elle était spéciale, j'adore et voilà. Donc pour en revenir à la toile, bah,
eu aucun souci au niveau des symboles, très lisible. Au niveau de la colle, pareil. Donc c'est ma première Auraloi. C'est ma première toile Auraloi. La prochaine, c'est encore une rond. Donc la fille du soleil, c'est encore une rond. J'ai pas encore testé les carrés, mais apparemment c'est le top du top. Mais voilà, je les utilise. J'utilise toutes les toiles de mon stock en fonction des petits défis. Ça sert à ça, les petits défis, c'est d'utiliser vraiment dans le stock. Et donc, c'est tombé sur Fille du Soleil pour la prochaine. Et puis, c'est encore une rond. Parce que celle-ci, je ne l'avais pas trouvée en carré. Mais le rond, ça rend très très bien aussi. Et ça m'a permis de tester les ronds. Je vous montre les restes de diamants. Je les ai remis dans les sachets zip. Voilà. Que dire à part, on dirait que qu'il reste autant pour une toile complète. Voilà. Que dire de plus, Auraloa pense et mettent pour l'équivalent de, je dis pas une toile entière, mais quasiment une moitié de toile, quoi. Donc, je vais ouvrir le paquet qui fait méga du bruit et puis je vous retrouve pour voir en détail. Les restes de diamants. Donc, si vous avez une toile Auraloa, n'ayez pas peur de manquer. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc déjà les déchets. Parlons-en des déchets. Voilà, vous avez vu une 59 par 90. J'ai 7 déchets, donc autant dire rien. Les trois quarts des jaunes, c'est des AB. Donc c'est les AB qui n'avaient pas de surbrillance. Et c'était les trois quarts, ce sont des excroissances comme ceci. Alors petite précision, Auraloa, ce sont des diamants en résine. Donc ils ont plus de déchets que les diamants en acrylique. Mais là franchement, j'ai envie de dire, les diamants en résine sont plus difficiles à fabriquer, mais franchement, je trouve que j'ai moins de déchets que dans certaines toiles en acrylique. Voilà. Pour la taille, le nombre de diamants que j'ai posés, franchement, ça, c'est rien du tout. Et donc, pour les restes de diamants, je vais vous montrer celui que il me reste le plus. Alors, la numéro 48, c'est celui que j'avais deux gros sachets, et regardez. Il me reste quasiment un sachet, quoi. Un gros sachet rempli. Regardez mes restes de diamants, quoi. C'est énorme. Et mes diamants AB. Regardez les diamants AB, ce qui me reste. Donc ça, je vais les mettre de côté. Je vais mettre dans mon petit classeur de diamants AB. Voilà. Et en fait, les diamants Auraloa, je vais les mettre de côté à part. Parce que ce sont des diamants en résine. Donc je les ai gardés dans l'ordre. Et comme ça, quand je voudrais, vu que je garde aussi la charte ici, je mets dans mon. Tout ça, je vais mettre dans mon petit livret de suivi. Quand je voudrais rechercher une DMC, je viendrai voir dans mon carnet. Quel DMC, quel numéro quel numéro de couleur ça correspond. Comme ça, je pourrais venir chercher directement. Comme ça, je les mélange pas aux autres. Ils sont vraiment à part. Donc, on parlait des races de diamants. Ben, les races de diamants, voilà, il me reste à peu près ça pour chaque couleur, quoi. Donc, franchement, n'ayez pas peur d'en manquer. Donc c'est vrai qu'il me reste vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, ben voilà pour cette revue. Du coup, je ne sais pas si je vais l'en coller. Je vais voir. Je vais voir ça tout de suite. Après, de toute façon, je ne vais pas le faire avec vous, hein, mais je voulais vous la montrer. Alors, elle brille énormément, hein, mais là. Il fait très beau dehors, mais j'ai pas le retour de la lumière, mais elle brille énormément. Énormément, énormément. Et je la kiffe. Voilà, quand j'aurai une pièce à moi pour DP, je l'accrocherai.
Mais bah là, j'ai pas de pièce spéciale d'épée, donc elle va aller gentiment dans le grand truc à dessin, là, la grande farde à dessin, tranquillement, avec les autres d'épée terminée. Juste pour info, je vous mettrai le lien du site Auraloa en barre de description, ainsi que mon code promo de moins 15%. Donc c'est un code affilié. Donc si vous l'utilisez, je vais toucher une petite commission sur votre achat. Vous, ça vous avantage de moins 15%. Et moi, ça me met un petit pourcentage. Vous, ça ne vous coûtera pas plus, ça vous coûtera moins 15%. Et si vous voulez, dans un sens, vous faire plaisir sur le site Auraloa et me faire plaisir un petit peu, eh ben, vous pouvez passer par ce code promo. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez aller directement sur le site. Voilà. Le lien que je vous mets, ce n'est pas un lien d'affiliation, c'est juste mon code promo. Si vous voulez cliquer sur le lien, il n'y a pas de souci. Si vous voulez commander, il n'y a pas de souci. Mais si vous ne voulez pas utiliser mon code, c'est pas grave. Il y a peut-être des codes plus avantageux. Des fois, il y a Auraloa qui fait des moins 20, moins 25%. Donc, ben, vaut mieux avoir moins 25% que moins 15. Après, mon code est valable tout le temps. Sur toutes les commandes, que ce soit votre première ou votre 25e, peu importe, c'est valable tout le temps. Voilà, c'est juste pour vous le dire. J'essaye de le mettre dans le maximum de mes vidéos, comme ça, vous n'avez pas à chercher les vidéos spéciales Auraloa pour si vous voulez l'utiliser. Il y a juste dans les vidéos des partenaires que je ne le mets pas, parce que vis-à-vis des partenaires, je mets les codes promo de ce partenaire-là. Mais autrement, vous les trouverez dans. Vous trouverez ce code sous toutes mes autres vidéos. Voilà, ça c'est dit. Ben, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à mettre un petit commentaire si ça vous plaît et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!